Voilà, bien bonjour et bienvenue sur l'extrait de la présentation du jeu entier de Special Force qui est sur PS3. Donc je vais vous présenter ce jeu parce que d'une part je suis assez friand de ce type de jeu là, comme Ghost Recon Advanced Warfighter 2 exemple, c'est dans la même lignée. Ou bien prochainement, il va y avoir aussi un jeu qui va être de cette académie-là, je l'écrirai en tant que commentaire. Il y a un jeu qui va être à peu près de... Ah oui, bah, tout simplement, c'est Ghost Recon, pardon. C'est Ghost Recon, le prochain, qui sera dans le même esprit de gameplay, en fait. Voilà. Sauf que bah, là, ça sera aussi sur Xbox. Et il y aura beaucoup d'armes technologiques. Bref, on n'est pas là parlé pour ça. Donc SOCOM Special Force. Donc si vous avez eu des. Ou si vous avez des problèmes de mise à jour par rapport à ce jeu sur PS3, c'est normal, ça peut arriver. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est désinstaller totalement le jeu, débrancher le câble Ethernet, lancer le jeu, utiliser le jeu, et demander après, donc ressortir et demander à jouer en ligne. Rebrancher le cordon, là il vous fait la mise à jour, et à ce moment là il vous fait la première mise à jour jusqu'à 1.5, et après vous avez 4 mises à jour qui vont s'enchaîner. C'est ces 4 mises à jour là qui posent problème apparemment sur le live. J'ai vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça, et donc là moi il m'a fait les mises à jour. J'ai essayé 5 fois, j'ai cherché diverses solutions, et c'est cette solution là qui fonctionne. Donc j'ai mis à jour et à partir de là je vais vous proposer donc ce jeu là que j'ai depuis qu'il est sorti en fait, hein, tout simplement, qui est compatible avec PS Move et qui propose donc une partie campagne et une partie multi et une partie campagne paramétrable. Donc moi pour l'instant je n'ai pas fait l'histoire solo, j'ai juste fait les campagnes paramétrables parce que c'est ce qui me plaît bien. Alors on va faire continuer. Donc je vais faire campagne personnalisée. Ici vous avez déjà une campagne déjà établie, mais je vais modifier cette campagne là, éditer. Alors, je peux en créer ou en modifier. Là je vais la modifier, donc on va prendre Léviathan. Mettons, alors vous avez 8 maps, 7 ou 8 maps. Vous avez deux DLC actuellement, hein, qui sont en cours aussi. Un DLC qui apporte 5 ou 6 maps. Plus un autre qui est, il s'appelle Evac, qui sont une mission coop d'exfiltration et qui apporte aussi leur lot de skins et d'armes. Donc là, objectif takedown ou espionnage. Takedown, c'est vous devez tuer un haut responsable d'un camp à la manière de Army of Two ou de Halo en VIP en fait. Vous devez tuer une personne importante. Et espionnage qui est pas mal, vous devez localiser, sécuriser et prendre des renseignements à l'ennemi. Voilà. Et donc ça doit être pas mal. Je vais mettre cette carte là et je fais sauvegarder. Donc du coup il va garder en personnalisé, il va garder celle-ci. Et je peux en ajouter. Je peux ajouter 8 maps avec 8, les 8 premières maps, mettons, en élimination de VIA et de commandant ou de colonel, et les autres 8 maps qui sont exactement les mêmes en mission infiltration. Donc là, je vais rester comme ça et je fais lancer. Donc là, je crois que c'est la première fois que je joue pour extraire des renseignements. Soit les mises à jour ne m'avaient pas apporté ça, soit je n'ai pas vu, ayant peu joué quand même avec. Donc là, avant la mise à jour, je n'avais pas toutes ces armes-là. Exemple, le sniper, il n'y était pas. On avait droit à deux armes, je crois. Et là, maintenant, j'ai une mitrailleuse en plus. Voilà. Un sniper. Donc CNC SOCOM, ça s'appelle. Le fusil à pompe, il y était déjà. Et le MP5, le KP5, il y était déjà. Alors je vais garder le snipe. Voilà, il y a des accessoires qui vont se greffer suivant vos aptitudes, hein, bien sûr. Confirmé. En bas, bah, c'est arme secondaire. Vous choisissez une arme secondaire. Donc là, je vais prendre celui-ci. C'est un fusil d'assaut type ACR.
confirmé. Et là, j'ai pris du C4 et des grenades, sachant que je peux mettre du fumigène, etc., etc. Et je lance. Je vais mettre un poil plus fort, pas par rapport à la mine. Équipe, votre mission consiste à localiser et prendre à l'ennemi assez d'informations pour saboter ses opérations dans le secteur. Alors, j'ai ici la possibilité donc de commander deux escouades, équipe Yellow, équipe Blue. Yellow, je peux leur dire de venir ici. Vite, vite. En accédant à la... Prête, commandant. À la flèche de droite. Flèche de gauche, je commande Blue. Contact. Je vais leur dire de venir ici. Confirmé. Pour l'instant, voilà. Je suis en place. Je peux, avec la gâchette, donc changer de... Ici, avec la gâchette et le stick, changer de type de... ou grenade, ou de projectile, je cherchais le mot, de projectile, donc grenade, ou là, dans ce cas-là, c'est du C4. Et je peux, avec la flèche... actionner, donc passer en mode ACR avec une arme de poing ou rester en mode sniper. D'accord. Je peux en faisant Y m'allonger totalement ou me mettre accroupi ou me lever. Je ne peux pas changer de fusil d'épaule. Je peux, ce qui est intéressant, c'est L1 tirer en visant. En fait, j'ai trois modes de tir. Tir à la visée, tir un peu plus précis et tire beaucoup plus précis avec le pouce droit. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est en mode FPS, pratiquement. D'accord ? On peut pas courir. Hein. Enfin, on peut courir dans le jeu, mais pas en comme ça. Voilà, là, j'ai deux types de zoom. Donc voilà. Donc là, on va faire attention. Les parties ne sont pas chronométrées. Voilà. Ah, putain d'insectes ! Donc les langages sont bien, ça va, c'est correct. Et là, on va avancer tout doucement. C'est la première fois que je le fais, donc celui-ci, donc c'est pas mal. Je sais pas si c'est pas la mise à jour qui m'a rajouté cet objectif-là. Donc vous pouvez jouer tout à fait seul. Il n'y a pas besoin de... pour jouer en multi, mais pour jouer avec les bots. Alors les bots sont semi-autonomes. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous suivre et tout. Mais si vous avez un problème, ils vont pas rester plantés là où ils sont. Ils vont venir vous aider. Voilà. Et si vous êtes trop loin, ils vont arriver sur vous. Et ils se soignent entre eux. Et ils vous soignent aussi. Non, ils vous soignent pas par contre. Excusez-moi, ils vous soignent pas. Ils se soignent entre eux. Enfin, je crois. Ouais. Normalement, moi, enfin, là où je... quand on me tire, là, on me tue, donc... j'ai rarement été blessé. De mémoire. Voilà, mon objectif est à 126 mètres par là-bas. J'aurais préféré avoir un silencieux, mais bon. On peut utiliser ça ou pas à couvert, ouais, non, d'accord. Alors on peut se mettre à couvert avec le rond, la touche rond, et donc zoomer quand on veut ou pas. On peut noter les sons. Là, exemple, je suis près d'un truc électrique, une ligne, j'entends les lignes électriques qui sont en haut là. Je les entends. Je vais demander à l'équipe Yellow de venir ici. Approchez. Reçu. Alors, c'est pas trop du furtif. Prêt, chef. Ça va être plutôt, on va prendre des renseignements, mais je pense pas que... Si j'arrive à tuer quelqu'un au couteau, oui. Mais je pense que... s'il y a des soldats autour, ils vont arriver, quoi. Alors, par contre, s'ils sont un peu plus loin, ils ne viendront pas. Voilà, c'est pas le genre de jeu comme ça. Ils vont pas tous venir sur vous, en fait. Même si, en normal, ils auraient dû entendre le coup de feu. L'équipe bleue, je vais la faire venir. Allez, là. En avant. Moi, je suis allé à la fin. Ah, merde, tiens sur moi. Bon, je les ai. Alors on va de suite envoyer une grenade. Deux même. Maintenant on va passer en mode direct. Alors là je vais dire tout sur moi. Annulé. Ah ils veulent pas. D'accord. Équipe jaune, on est avec moi. Oui chef. Équipe bleue, ils ont des problèmes. Hein. Équipe
bleu ici. Avancez! Compris, chef. Sur site. Tango en progression. Beaucoup de jeunes en avance. Reçu. Équipe bleue, elle reste par là. Reçu. Contact confirmé. Voilà, là, on ramasse une information. Voilà, c'est bon. C'est le genre de données qu'on recherche. Continuez votre traque. Là, je vais passer en mode sniper. Je suis obligé. Les ennemis nous contournent. Reçu, chef. Je suis prêt, chef. Les bleus, je les mets là en arrière. Camion. Je vais vite changer d'arme là parce que le sniper ça va pas aller là. Je vais mettre apparemment une petite C4, oui je peux en mettre ici en fait, d'accord. Pourquoi il est en bleu ce truc? Ouais c'est ça, parce que je peux mettre du C4. En route. Équipe jaune. Chef. On me suit. Équipe qui est bleue. Pareil. Confirmé. Tango entré. Apparemment, j'ai un objectif qui est... Ah, mais c'est le camion. C'est quoi? Non, c'est là-bas. Il faut retourner en arrière, en fait. D'accord. On va retourner, alors. Je l'ai buté. Tango à terre. Pas... Il y a un truc à faire, là. Approchez. Je vais ramener mes équipes et je vais aller voir. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un truc. Ah, ramener les infos là peut-être. Je vais voir. On peut courir. Voilà. On peut courir dans le jeu quand même. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah, il y avait un truc. Ramasser. D'accord. Ces infos sont prometteuses. Ah, continuez comme ça. J'ai 5 informations à prendre. Ok, ça marche. Prête, commandant. C'est pas mal, hein. Alors bien sûr on peut jouer en coop, hein. Là ça serait le top. Les musiques sont pas mal. Pas les musiques dans les menus, mais les musiques en jeu. Mouvement. Entendu. On peut ramasser des armes, bien sûr. Allez, en avant. Bien reçu. Ravitaillement. Ah, c'est la grosse arme là. Oh putain, il y a des mecs. Alors attends. Arrivé. Affirmatif. Voilà, chef. Je tiens la position. Camion très bon, chef. Je suis en train à côté de vous. Reçu, ne bouge pas. Il y a des ennemis là. Je vais essayer de le tuer au couteau. Quand vous tuez quelqu'un à la tête, vous le sentez et vous l'entendez. Ça fait la vibration est différente. Vous voyez là, ils viennent pas. C'est un peu dommage. Pourtant, j'ai tiré. Ah si, ils sont là-bas. Et hop, un petit C4. J'attends un peu. S'ils
arrive, ça va être pas mal. Grenade, à couvert. À mes équipes en avant, ah, parce que là, là-bas. Je suis là. C'est encore. Il m'a tué parce que j'ai mal joué. J'ai mal joué. J'ai avancé tout seul et j'ai pas couvert mes sur les côtés. Donc c'est normal. Voilà, donc ça c'était recherche de, donc d'informations en fait. Maintenant, on va faire une autre map, mais avec on doit tuer un chef. Alors quitter le jeu. Voilà, je vais pas faire une campagne, hein, je vais faire un scénario, enfin un camp personnalisé plutôt. Campagne personnalisée. Donc là j'ajoute une je vais pas ajouter sinon il va passer par la première. En fait on peut enchaîner les missions et donc les diversifier en même temps. Donc là je vais éditer la première parce qu'apparemment sinon il va me refaire la première à chaque fois. Donc là je change de map, hein. Voilà, mettons. Alors je risque de prendre le pack où il y a des maps, hein, parce que ça me plaît bien, donc je risque de faire ça. S'appelle je sais plus, un pack démolition ou un truc comme ça. Faut que j'aille voir, mais je pense que je vais le prendre. Objectif ou espionnage. Alors takedown, donc localiser, neutraliser un chef, ou alors ce qu'on a fait là, localiser, sécuriser des renseignements. On va faire tuer un chef. Sauvegarder, lancer la partie. Donc là j'ai pris une autre map. Donc là on est que dans les campagnes personnalisées, hein. C'est pas le jeu en solo, hein. Et c'est pas le jeu en multi non plus. Le jeu en multi, vous débloquez plein d'armes, un peu comme à la façon de Call of Duty. Voilà, pareil, donc là, j'ai un snipe. Le snipe, avant la mise à jour, il n'y était pas. Maintenant, il y est. Donc, tant mieux, c'est vraiment un atout. Et hop, j'envoie. J'ai débloqué néanmoins quelque chose, hein. Il me l'a dit tout à l'heure. J'irai voir plus tard. Vous pouvez rajouter silencieux, vous pouvez rajouter des choses comme ça. Donc là voilà. Là il sauvegarde. Voilà. L'équipe, votre mission est de trouver et neutraliser un officier ennemi dans le secteur. On peut voir que les maps sont très très jolies. Très très jolies. C'est vraiment, c'est immersif, vraiment. Donc là, je vais les faire attendre pour l'instant. Ici en attente. Reçu, on bouge pas. Les jaunes en attente ici. Je vais aller en reconnaissance en fait avec le sniper. Sachant que je pourrais très bien utiliser le couteau pour tuer quelqu'un. Que à l'écran que vous voyez là, c'est pas le même écran que la Xbox, c'est un autre écran, je suis en DVI sur lui. Enfin, pour expliquer la qualité, c'est déjà pas mal. Je pense pas qu'on puisse grimper. Alors c'est
Là, de ces côtés, c'est d'autres voitures. Je pense que je ne vais pas prendre le snipe, parce que là on va être dans le milieu confiné, donc je vais dire à mes équipes de venir ici. En route. Ici. Envoyé. Et je suis prêt, Jeff. À côté ici. On bouge. Affirmatif. Voilà. Sur coordonnées. Alors pour l'instant, ici il reste. Reçu, on reste ici. Et ici il reste. Il n'y a pas de truc pour voir à travers les murs, hein, ce genre de choses. Hein. Donc là, c'est du réel, quoi. Reçu. Là-bas. Grenade. Oh la chance. Cours pour F. Cours. Très mal joué. Ok. Alors on va. Je vais juste la refaire. Très mal joué, mais alors très mal. Bon, déjà d'une, j'aurais aimé avoir un silencieux, genre, si c'est pas possible d'avoir ça. Parce que le type, je l'aurais tué au silencieux, il n'aurait rien dit, en fait. Non, c'est pas possible d'avoir un silencieux, éventuellement. Regarde hein, si c'est pas possible d'avoir un. Non. Là. Aucun accessoire de tir. Donc c'est un peu dommage. Je crois qu'on peut les débloquer après, mais bon là c'est un peu gênant. Bon, c'est pas grave, mais c'est un peu gênant quand même. De pas avoir de. De silencieux. L'équipe, votre mission est de trouver et neutraliser un officier ennemi dans le secteur. Bien reçu. Sur place. Voilà, là, je l'ai fait attendre. Hein. Moi, je vais avancer. Je vais essayer de tuer en silence le mec d'en haut, mais ça va être plutôt dur, à mon avis. Ah, mais ils sont là, les deux là. Voilà, donc, normalement, peut-être que. C'est marrant, moi j'aime bien ce pays. J'ai un Big Mac. Dommage. Bon, c'est pas grave, cette fois-ci, je vais les faire venir là, c'est pas grave. Allez, vite. Allez, en avant. Oui, chef. Déploie des armes. On voit des grenades, hein, quand même. Oh, c'est pas vrai, alors. Eh, ils sont bien placés, et puis en plus, ils envoient des grenades. Et bah ça vous montre que bah, soit c'est parce que j'ai pas les bonnes armes et il faut que je débloque avec le mode solo, il faut que je débloque des armes, ce qui est un peu logique hein, aussi parce que là il me manque cruellement des silencieux quoi. Je le refais une dernière fois.
Je vais changer de stratégie d'approche. Ça va pas être, ça va être plus de. L'équipe, votre mission est de trouver et neutraliser un officier ennemi dans le secteur. Tout en se protégeant. Alors une équipe, je vais en mettre une ici. Approchez. Affirmatif. Voilà. Cible en vue. Les deux autres. Là, on va... Vite, vite. Compris. Prêt, commandant. Alors, eux, ils couvrent là et John, ils sont passés là. Ennemi, en route vers nous. On a un VP. En route. Reçu. On va pouvoir nous faire. Ah, ils avaient exprès d'être morts. C'est bon, ouais. Je vais pas prendre le sniper, hein. Ennemi neutralisé. On est plus nombreux. Débloquer le modificateur d'armes. Je tire pas super bien, mais bon. Ça a l'air pas mal là. À l'arme lourde là. Il déploie des armes. Ok. Bon, c'était pas vraiment le. Ah, on peut se ravitailler ici. C'était pas vraiment ce que je voulais faire au début, mais c'est pas grave. Alors, une équipe reste là. Donc, la jaune et la bleue, on va les faire venir avec moi. La bleue, on va les faire monter ici. Bon, non, moi. C'est les jaunes, on va les faire là. Confirmé. Et la bleue, ils vont rester là. Approchez. Compris. J'y suis. Ah, ils ont des silencieux. Pas moi, par contre. Ah bah c'est pour ça. J'ai pas de silencieux. Alors je pense que je devais avoir des armes en bonus, mais vu que j'ai effacé. Je crois qu'il y avait peut-être un pack qui était gratuit pendant un certain temps. Je suis pas sûr. Que j'avais acquis quelque chose de ça. Bon, c'est pas mal. Les bleus, je vais le faire monter là. On bouge. Oh, là, les jaunes, c'est. Bien reçu. Ok. Et les bleus, je vais les mettre. Merde. Bon, les jaunes, là. Ok. Vous en voulez, hein? Vous en voulez? J'y suis, chef. On va descendre. J'ai passé en mode. Voilà. Je suis en grenade ou pas? Ouais, j'ai 3 grenades, c'est parfait. Les bleus, par contre, vont me suivre. Voilà. Allez, en avant. Bien reçu. J'y suis. Bon, il n'y a rien ici. Ça, c'est les jeunes qui nous couvrent.
faire venir là. Oui, clair. Je suis prêt. Ça se joue comme un FPS, en fait. Hein. Tango à terre. Allez. Et ça, c'est mes collègues. Hein? Mais où? Mortel, je suis blessé! D'accord. J'avais pas vu qu'il y en avait un à l'arrière. On peut ramasser son arme hein, aussi si on veut. On peut se jeter aussi pareil avec Y. Si on appuie en courant et en fait il se jette. Il n'y a pas quelqu'un là. Je vais envoyer les bleus là. Approchez. Bon, est clair. Pas là, je vais les envoyer là plutôt. En position. Ok. Les jaunes, ils peuvent arriver. Allez, non. Les jaunes. Oui, clair. Là. Et les bleus, vous restez là. En position. Oui, chef. Il y en a un qui a la voix de Tilk. Non. Je change de type de d'approche. Je passe en offensif. On peut noter les éclairages aussi. Voilà, chef. Oh, soldat. Putain, ce qui est là-bas. Oh, infirmier. C'est toujours ça. Ah. Alors, j'aurais pu ne pas le faire de bruit. En fait, la cible est là-bas. Je vais essayer de l'avoir au snipe, ce qui va pas être facile. Elle est cachée derrière. Ah non, c'est pas la cible, c'est pas la cible. Est-ce qu'il y a des snipers là? Là, je vais venir mes équipes en fait, mes deux équipes. On bouge. Compris. Et moi, je vais les couvrir au snipe d'ici en fait. J'aurai silencieux, ça sera beaucoup plus simple. Alors, je vais leur dire d'attendre. On tient la position. Voilà, et aussi. Je vais leur mettre leur futur emplacement. Et quand je serai prêt, je leur dirai de venir. Alors, un emplacement, il y en a un qui va se mettre là. Pour l'instant, voilà, là ils sont en stand-by sur leur position à eux. Quand je dirai en avant, les deux équipes viendront respectivement où j'ai dit d'y aller en fait, simplement.
C'est parce que je voulais montrer aussi, mais stratégiquement c'est mal joué. Voilà, donc c'était SOCOM Special Force qui possède deux DLC actuellement disponibles. Voilà, merci, à bientôt.